Bonjour à tous et à toutes, After, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Escapist. Et donc, on se retrouve à l'appel matinal, hein, jour 5. Et aujourd'hui, on va faire un petit peu de mission. Écoutez, j'ai pas grand chose à faire à part les missions, donc on va faire ça, je pense. Et donc, ici, la vie est facile. Tout baigne. Vos besoins sont notre priorité absolue. Évidemment. Apparemment, quelqu'un s'est enfoui et vite revenu. Soyez sages aujourd'hui. Alors, c'est qui vont être cherchés qui vont être... quelqu'un dévoré tout le monde. Nous soupçonnons la présence d'un filière parmi nous. Par contre, c'est qui va être... décidé au niveau de la fouille. Alors là, j'ai un peu la souris qui tremble. C'est très bizarre. C'est assez chiant. Du coup... Voilà. On va mettre des pouces bleus partout. Alors, qu'est-ce que j'ai comme faveur à faire aujourd'hui? Trouver l'objet médicament pour Fragdaya, reprendre l'objet crème pour les mains de Clark. Crème pour les mains de Clark à Darren. Donc je dois aller dans le truc de Darren, à mon avis il en a. Trouve l'objet crème pour les mains de Clark. 22$. Reprendre l'objet D de Clark à Officier Rodney. Et trouve l'objet ours en plus pour Darren. Ok. Donc voilà, va falloir avoir pas mal de petites choses. Je vais peut-être tirer ça parce que lui il va être compliqué. Et je vais prendre une autre. Genre celui de Mike. Alors, si tu peux divertir les gardes, non, ok. Je vais mettre un petit pouce bleu. Voilà, je veille sur toi. Désolé mec, c'est pas le moment. Ok, donc il est vénère. J'ai enfin trouvé qui m'a balancé au directeur. Sistrer les gardes au prochain moment. Petit déjeuner, je pourrais la récompenser. Non, je sais pas comment on distrait les gardes. Je suis là pour papoter. Mon frère fini. Oh, je ne sais plus. Oh, je pensais que j'étais dans la baston. J'étais là. Non, je suis pas préparé. Ok. Donc là, il y a une période libre. Et je pense que j'ai compris qu'il fallait qu'à chaque fois, en fait, je visite toutes les cellules. Parce que c'est là où il y a les notes. Et c'est là où on peut reprendre tout ça. Donc là, il y a une note encore. Il n'y a pas de la crème pour les mains, s'il vous plaît. C'est pas grave. Va falloir sortir. La note. Ruban adhésif, c'est pour faire une herse. Ok, donc voilà, c'est bon. Là, c'est mon bureau. Il y a pas mal de petites choses. Je vais mettre le poulet là-dedans. Hop, je dois visiter ces bureaux-ci. Bureau de Adams. Là, il y a une ventouse, savon, rouleau à papier. Ok, pas besoin. Il faut se dépêcher en fait avant d'aller travailler tout simplement. Alors là il y a une lampe, ok, et il y a une lame de rasoir. Donc là je vais voler un petit peu hein, quand même. Et là il y a des gardes donc va pas falloir que je fasse genre le mec. Alors attendez. Je vais sortir, désolé. Voilà, je vous l'avais dit, maintenant on a 8% d'attention au niveau des gardes. Donc là il y a une carte postale et il y a du rouleau papier. J'en ai pas besoin. Et... salut, je promène. Et ici, le dernier bureau. Après, on ira dans les autres bureaux, mais voilà, c'est pas grave. Donc, ok, donc ces bureaux-là, ça va. Et il faut que j'aille voir le bureau de Darren. Donc, ici, celui-ci. Et normalement, là, il y a une crème. Là, il y a du talc, ok. Il y a de la colle, du savon, il y a des peignes, on s'en fout. Hop, il me faut la crème pour les mains, en fait. Nourriture cuite, piles. Peut-être nous servir, les piles, je sais pas. Hop. Donc attention, on va rechercher un petit peu bureau de Daniels. Alors lui il a rouleau de papier, chaussettes, ruban adhésif. Ok, donc ça j'en ai besoin. Et chaussettes je prendrai un peu plus tard. Ok, donc il y avait un truc là apparemment. Et alors là, qu'est-ce qu'il y a dans ce bureau-ci? Une tenue de détenue sale, un kit de soins. Non, c'est pas encore trop utile. Il y a encore un déjeuner en fait, j'avais pas vu. Donc on va aller manger un petit peu. Hop, pourtant la fin elle est bonne. J'ai 150$ donc on va essayer de faire le plus de dollars possible et puis après faire un peu de sport. Parce qu'il me faut de la force pour la baston. Et il me faut. Je sais pas, plein d'autres choses. Normalement c'est le mieux quoi. Alors attendez, je peux pas t'aider. Ah bah oui, c'est Fragdaya, même pas trop. J'ai pas besoin de potes. Désolé mec, je cherche pas à me faire des potes.
Ok, donc en gros, voilà. J'ai enfin trouvé qui m'a balancé au directeur. Sistré. Ok, c'est encore le truc là, sistré les gardes. Non, désolé mec, je cherche pas à me faire des potes. Ok, donc là, il y a. Personne qui veut se faire des potes, en fait, j'ai l'impression. Donc voilà, sur moi, alors je vais regarder un petit peu. Sur moi, j'ai un peigne, ok. Il me faudrait une chaussette et un savon. Parce que je sais qu'on peut faire quelque chose avec ça. Donc tout d'abord, je vais aller à mon bureau déposer des trucs. Déposer tout ce que j'ai sur moi. Et il faut que je me dépêche parce que là, sinon, je vais me faire choper. Et ils vont vouloir directement que j'aille travailler. Ils vont me défoncer si pas. Donc voilà, là, on va aller, on va faire vite fait notre travail. Hein, histoire de pouvoir encore aller un peu fouiller dans les choses. Alors ici, il y a des planques de prisonniers. Il faut que je crée une... Il faut que je crée une clé, en fait. Une fausse clé. Voilà. Je vais aller chercher ça. Je peux mettre le 5, hop, et le 6. Donc, 1 et 2. Ok, hop. Donc, 1. J'ai l'impression qu'il y a une baston pas loin, mais apparemment, non. 5 et 6. J'ai bientôt fini mon quota de travail, donc ça c'est sympa. Hop, et je peux mettre le 4 et le 3. Voilà. Comme ça. Alors, what? Et pour te déplacer. Non mais ça je sais. Hop. Hop, voilà. Encore un petit peu. 1. Et voilà, j'ai mon quota de travail, j'ai eu mes thunes, donc ça c'est bon. Je vais aller voir un petit peu. Voilà, toi t'as un truc. Officier Shen n'a pas honoré sa part de contrat pour regarder ailleurs. J'apprécierais qu'il bouffe sa matraque. Officier Shen. Ok. Il est où, officier Shen? Ah, salut toi. Ouais, mais là en fait, je suis en train de manger. Simplement. Ah, je suis mort, purée. J'ai pas le droit de taper les officiers. Mais en fait, ils sont super forts, les officiers. Il faut que je me refasse des armes, etc. Donc, voilà. Donc, ouais, je vais éviter, voilà. Je vais aller reprendre quelques petits trucs. J'aimerais bien un peigne ou une lame de rasoir. Là, normalement, il y a moyen de faire un truc avec une lame de rasoir. Pas une arme, une lame de rasoir. Ok, c'est pas grave. Donc on va rien faire avec ça. Par contre, voilà, ça, là on peut faire quelque chose avec ça. Voilà, une petite arme, tranquille. Faudrait mettre un peu de résistance. Bon, je vais aller faire un peu de sport parce que là il me faut, voilà, du sport. Voilà, période de sport en plus. Donc, on va augmenter un peu la force. Hein. Écoutez les amis. Hop, encore une fois. Alors je vais regarder avant de faire ça, je vais regarder un petit peu notre force 42, va falloir l'augmenter. Hein. Vous vous doutez bien, hop. Et là il y a une baston. Daniel, arrête ça. Ok, il fait rien du tout, il s'en fout. Là il y a une baston, il s'en fout. Je me régule. Alors lui il veut un truc. Fixation, c'est mort. Il m'a emmené dans une embuscade l'autre jour, je suis bien fait défoncer, j'aimerais lui redonner l'appareil. Tu le ferais? Nope. Du coup il m'aime plus. Et là il laisse les bastons. Ils s'en foutent. C'est hallucinant. Donc là j'essaie d'avoir un petit peu plus de force, hein, écoutez les amis. C'est chiant à faire. Voilà. Je vais en faire 20, hein. Et après on va se doucher tranquillement. Voilà, nickel. Donc j'ai combien de force là maintenant? J'ai 52 de force, par contre j'ai plus beaucoup d'intelligence. 12 d'intel et... Okay. En gros on peut pas avoir tout, je pense. Alors ici il y a Fragdaya qui demande un truc. Ok, donc je vais regarder un petit peu ce qu'il vend. Il n'y a rien à vendre, argent d'entretien. Et quoi, il n'y a pas moyen que j'ai ces trucs là? Ok, c'est pas grave. Ben moi je reste là, hein, parce que j'ai encore ma fatigue. Voilà, 0%, c'est magnifique, là on doit aller au dîner maintenant. Alors attendez. Je vais prendre l'âme de Clark. Je vais l'amener dans un lit.
Ah bah ok, d'accord. J'ai pas compris pourquoi en fait je pouvais le porter. C'est spécial, genre accélère le rythme after. Désolé, désolé. On se croit vraiment trop en prison quand on se fait engueuler et tout. Et après on va aller fouiller un petit peu ces trucs. Alors ok, non. Firodney pense qu'il y a un accès VIP à mon bureau de cellule. Débarrasse-moi de lui et je te payerai. Nope. J'ai besoin que Nick mange le sol, je ferai bien moi-même, mais les gardes m'ont à l'œil. T'en penses quoi, Nick, pour 13$, non, je perds encore plein de sous si je meurs. Mick, ah non, Nick, ok. Ok, bon, période libre du soir, on va aller visiter encore toutes les cellules, hein, ça tombe, il y a des notes, et j'aimerais bien des notes de fabrication. Ça peut être intéressant. Hop, après je vais regarder un petit peu s'il y a tout le temps la même chose dans les trucs, mais... Hop. Et s'il y a d'autres chambres, peut-être visiter un peu. Mais le truc, c'est qu'il va falloir que je tape Darren parce qu'il a. Enfin, il a une crème solaire, je pense. Et que je peux pas avoir. Donc, il me faut. Ah oui, des chaussettes. Il faut que j'aille chercher les chaussettes. Alors, les chaussettes, elles sont dans le bureau, peut-être de Daniel. Pas sûr. Si, voilà. Chaussettes, savon. Hop, si je fais ça. Fabrication, chaussettes, savon. Tu dois avoir 19 d'un tel en plus. Bon, on va aller lire un petit peu. Hein. Elle est où la bibliothèque par ici? Je sais pas du tout où elle est la bibliothèque en fait. Donc faut vraiment que je trouve cet endroit. Je vais te sortir d'isolement. C'est cool, je m'en fous. Tant pis pour toi, mon pote. Hein, moi, personne ne me soutiendrait. Ok, bah, il va falloir que je trouve la bibliothèque assez rapidement là parce que le temps est compté. On va sortir, on va trouver ça peut-être. Y'a pas un autre bâtiment ou un truc du style? J'aimerais bien la bibliothèque. Il me faut 19 d'intelligence si je veux donc monter, pouvoir monter tout simplement. Y'a encore des bâtiments par là? Nope, y'a rien du tout. Et les musiques par contre elles sont vraiment bien, ça j'avoue que... Elles sont super les musiques. Alors toi, ce minable de Fragdaya m'a manqué de respect, donne-lui une bonne leçon et je te paierai. Ok. Lui aussi m'a manqué de respect, donc comme je dis, on sait, je m'en fiche. Il est où Fragdaya? Parce que j'ai un couteau normalement sur moi, ouais. Allez, on va aller le tuer. Enfin, du moins l'assommer, hein, parce qu'on ne peut pas le tuer. Il est où? Ok, viens mon pote. Hop, top, 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 top. Eh hey, mais ils sont à deux sur moi. Oh. Je me suis fait encore tuer et j'ai encore perdu des sous. Donc ça servit à rien en fait. Ici à l'appel de la journée. Par contre j'ai pas. Alors attendez. Profil. J'ai pas beaucoup d'intelligence, j'aimerais bien en avoir. Un peu plus. Mais je comprends pas comment je peux. Alors hop. Comment je peux tuer. Alors, les chaussettes, Leslie, ok. Il me faut une pioche fragile. Clé entrée en plastique, moule de clé entrée, plastique fondu. Ok, je sais pas comment on fait par contre. Donc voilà, les raclures suivantes ont droit à une fouille. Daniel et Nick. Malheureusement, nous avons dû annuler l'excursion de la semaine prochaine. Les détenus ont toujours raison. Le directeur fera peut-être une visite aujourd'hui. Quelqu'un m'a forcé la porte de la remise. A forcé la porte de la remise, pardon. Ici la vie est facile. Les détenus sont toujours raison. Ne marchez pas sur les pelouses. Okay. Comme d'hab, hein, ils lisent des textes, on s'en fout un peu. Donc, tout ce qu'on veut c'est aller faire dodo. Ou peut-être autre. Il faut que je trouve un tournevis. On va sauvegarder, mais il faut que je trouve un tournevis pour pouvoir détacher. Un petit peu tout ça. Bah, je vais encore dormir. Je vais encore dormir jusque quand je suis plus fatigué. Même si je me fais engueuler un petit peu, c'est pas grave. Magnifique. Ils sont tous là déjà. Ok, donc ça c'est bon. Ah bah, les poli. Enfin, les. Voilà, ils étaient pas là. Donc, écoutez bien. Les abrutis suivants ont gagné une fouille de cellules. Nick et Darren. Ok, donc c'est pas encore moi, donc c'est sympa. Et maintenant, on a une annonce importante. Ici, la vie est facile. Mais pourquoi voudrait-on s'enfuir de cet endroit? Apparemment, quelqu'un s'est enfui et est vite revenu. Donc, ok. Donc, un mec, malheureusement, nous avons dû annuler l'excursion de la semaine prochaine.
Ok, bon bah en gros voilà, on n'a pas d'excursion et du coup on pourra peut-être pas s'enfuir en somme. Et on va aller manger comme tout le monde. Il y a encore des bastons. On va juste s'asseoir pour manger. J'aimerais juste manger, voilà. Nickel, donc on va mettre des petits pouces bleus à tout le monde. Alors, trouve-moi l'objet paquet de cartes et je t'en revaudrai une. Ok, et donc là on va encore visiter. C'est qui veut ça? Alors attendez. C'est qui veut ça? C'est Hunter, ok. Mais le truc, va falloir encore aller fouiller les cellules et tout. Donc, pas de problème. Par contre, quand je suis à zéro d'intelligence, ça fait quoi? Donc, je sais pas du tout en fait. Je mets plein de petits pouces bleus. Je sais pas ce que ça fait. Mais c'est pas grave, ça fait un peu pote quoi. Moi, j'ai plus faim en somme, donc c'est bon. Voilà, let's go. Let's go, let's go. Et ce qu'on va pouvoir faire, donc, c'est. On pourra faire. Attendez, on va visiter un petit peu. J'espère qu'on va trouver des notes de fabrication. Et donc là, il y a des clous. Pain tranchant, donc ça c'est bon. Il y a du chocolat, sympa. Dans ma cellule, je suppose qu'il n'y aura rien de plus. Hein. Comme d'hab. Là, il y a une montre. Et là, je fais genre. Je, voilà. Ok. Là, on va regarder, il y a quoi? Une brosse à dents, ça sert à rien, mais c'est pas grave. J'aimerais bien trouver en fait le paquet de cartes. Là, y a des. Voilà. Ah, ben voilà l'ours en peluche. Ok, donc j'ai un objet. Va falloir que je sorte. C'est qui voulait l'ours en peluche en fait? C'est Darren. Ok, donc on va se faire des sous en plus avec ça. Il est où Darren? Il est où Darren? 100. Hunter, non, lui il veut juste le paquet de cartes. Il y a Darren que j'aimerais bien trouver en fait. Darren, c'est pas un vieux. Darren, c'est un mec normal. Un mec normal, voilà. Nick. Il me faut Darren. Nick, Darren, tiens, mon pote. Darren, reviens ici. Putain, voilà. Donc. Sans emploi, vous êtes hors de portée. Ah, d'accord, ok. Il faut que j'aille près de lui. Viens, mon pote. On doit faire quelque chose. On doit s'échanger. Toi, tiens, ton ours en peluche. Voilà. Hop, donné. Et voilà, j'ai eu 17$. Donc voilà. En somme, voilà, il m'avait dit un truc, genre merci. Alors là, on va s'exercer un petit peu. On va essayer de faire un truc comme ça. Et puis on va se laisser là pour le premier, pour ce troisième épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve donc très bientôt pour de prochaines vidéos. À très bientôt.